En Haïti, nous prenons n'importe qui assassin, n'importe qui bluffeur, n'importe qui méchant criminel, et nous couronnons les lois. Et mais aux zombifier nous, nous réduit à plus simple. Nous, l'échelle humanité, nos leaders répondent à une vocation messianique, une vocation prophétique, une vocation de leader national, son bagage prophétique, son bagage qui sont dans le dans la nature divine. Et d'ailleurs, nous reconnaître qu'en Amérique, ce sont les stars qui deviennent des leaders. C'est l'occasion pour partager avec nous toute communauté haïtienne là. Mon qui dans la diaspora en baiser de paix. L'année 2023, c'était un véritable cauchemar. Il était douloureux pour nous te manger, pour nous te brer. C'est difficilement pour te survivre. Et Dieu merci nous entrer dans l'année 2024 là. Moi, je souhaitais avec de nouvelles énergies, de nouvelles convictions, de nouvelles visions pour transformation de vie. Moi, partager avec nous un baiser de paix. Je souhaite que bon Dieu réponde grâce et puissance sur nous. Que bon Dieu bénisse nos qualifications pour nous participer à notre travail refondation et reconstruction pays. Que bon Dieu bénisse nous des leaders capables pour nous porter une transformation profonde dans la nation. Transformation à venir dans la nation d'abord. La forme qui résulte à sa cabaye. Je ne vais pas t'aller verser ça avant, on va venir à se poser des questions. C'est Exode chapitre 13, verset 21 et verset 22. Et l'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça c'est l'immanence de Dieu. Toute nation doit éclairer par la puissance de Dieu, aussi bien que Dieu éclairait la nation d'Israël. Je crois que bon Dieu, par sa lumière, va éclairer le peuple haïtien. Ah, c'est verset là où vous parlez de bon Dieu, ben, leader. Oui. Mais en plus, là, il sera là, il est gloire que vous décidez de leader ça déjà. Bon, semaine ça là, nous, un peuple haïtien, tombé en admiration de l'ancien guerrier, de l'ancien routier de la politique haïtienne. Monsieur, son fauteur de troubles et tout. Mais s'opposer au mal, ce n'est pas mauvais. De qui est-ce qu'on parle là? On parle de Guy Philippe. Alors, moi, je dis, nous, détrompez-nous. Détrompez-nous, pas faites être une illusion. Et Guy Philippe ne peut pas être un leader pour le peuple haïtien. C'est faux. Il n'a pas ni la vertu, ni la capacité de changer la vie du peuple haïtien. Sinon, il l'aurait déjà fait. Depuis plusieurs années, il a pris un président déjà. Monsieur, ça a fait partie d'une ancienne école de pensée. Côté au mélangé, cocaïne, drogue, malversation, crime, pour dominer la nation haïtienne. Et je dis à mes peuples haïtiens pour une pièce ça, dans l'année 2024, là, pour nous croire qu'il y a un monde qui se passe combien de temps en prison? Six l'année en prison. Il va même dire pour qui raison? Pas oui, aucun oui. Éclaircissement qui fait tout ça. Et puis, brusquement, pour dire nous, il est le leader de notre génération. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Guy Philippe pas la hauteur pour. Non, il ne comprend même pas le problème haïtien. Le problème fondamental qu'a plongé le peuple haïtien. Il n'est pas la hauteur du changement que nous espérons souhaiter pour Haïti. Et même dit nous ça parce que. Dans le passé, il y a un mauvais passé. Donc, oui, monsieur, il y a un très mauvais passé de militants. Et c'est pas oublier, c'est le monde qui mélange Mdou, on pile bagarre en même temps. Drogue, pouvoir politique, ils ont mélangé industrie criminelle et puis ils ont fait fortune sans pas la population haïtienne, aucune explication. Et puis maintenant ils se croient leader. Ça c'est fou. Et je crois que tôt ou tard, l'intelligentsia occidentale, là, américaine, n'a pas développé Haïti et je connais un pile monsieur qui va l'arrêter, qui va mourir. Haïti pendant longtemps, c'est un état narcotrafiquant, un état mafieux. Et je là où nous avons conduit les peuples haïtiens dans le désert, nous mettons les peuples haïtiens en enfer. Et je m'en dis, tant que pour qu'on ait des nobles, c'est qui ça, un leader doué pour Haïti, pour le monde, un leader de la science divine, de la sagesse divine. En Haïti, nous prenons n'importe qui assassin. N'importe qui bluffeur, n'importe qui méchant criminel, et nous couronnons les lois,
et mais on zombifie nous, nous réduit à plus simple. Nous, l'échelle humanité, nos leaders répondent à une vocation messianique, une vocation prophétique, une vocation de leader national, son bagage prophétique, son bagage qui sont dans le dans la nature divine. Et d'ailleurs, nous reconnaître qu'en Amérique, ce sont les stars qui deviennent des leaders. C'est l'occasion pour partager avec nous toute communauté haïtienne là, monde qui est dans la diaspora, un baiser de paix. L'année 2023, c'était un véritable cauchemar. Il était douloureux pour nous te manger, pour nous te brer. C'est difficilement pour te survivre. Et Dieu merci nous entrer dans l'année 2024 là. Moi, je souhaitais avec de nouvelles énergies, de nouvelles convictions, de nouvelles visions pour transformation de vie. Moi, partager avec nous un baiser de paix. Je souhaite que bon Dieu réponde grâce et puissance sur nous. Et que bon Dieu bat nos qualifications pour nous participer à notre travail refondation et reconstruction pays. Que bon Dieu bat nous des leaders capables pour nous porter une transformation profonde dans la nation. Transformation a venu dans quelle nation d'abord? La forme qui résulte à sa cabaye. Je ne vais pas aller vers ça avant, on va venir à se poser des questions. C'est Exode chapitre 13, verset 21 et verset 22. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça, c'est l'immanence de Dieu. Toute nation doit éclairer par la puissance de Dieu, aussi bien que Dieu éclairait la nation d'Israël. Je crois que bon Dieu, par sa lumière, va éclairer le peuple haïtien. Ah, Dieu, c'est verset là où vous parlez de bon Dieu, ben, leader. Oui. Mais en plus, haïtien là, il y a gloire que c'est de leader, ça déjà. Bon, semaine ça là, nous, un peuple haïtien, tombé en admiration de anciens guerriers, de anciens routiers de la politique haïtienne. Monsieur, son fauteur de troubles et tout. Mais s'opposer au mal, ce n'est pas mauvais. De qui est-ce qu'on parle là? On parle de Guy Philippe. Alors, moi, je dis, nous, détrompez-nous. Détrompez-nous, pas faites être une illusion. Et Guy Philippe ne peut pas être un leader pour le peuple haïtien. C'est faux. Il n'a pas ni la vertu, ni la capacité de changer la vie du peuple haïtien. Sinon, il l'aurait déjà fait. Depuis plusieurs années, il est après président déjà. Monsieur, ça a fait partie d'une ancienne école de pensée. Côté au mélangé, cocaïne, drogue, malversation, crime, pour dominer la nation haïtienne. Et je dis à mes peuples haïtiens pour une pièce ça, dans l'année 2024, là, pour nous croire que y a un monde qui se passe combien de temps en prison? 6 années en prison. Il va même dire pour qui raison? Pas aucun éclaircissement qui fait tout ça. Et puis, brusquement, pour dire nous, il est le leader de notre génération. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Guy Philippe pas la hauteur pour... Non, il ne comprend même pas le problème haïtien. Le problème fondamental qu'a plongé le peuple haïtien. Il n'est pas la hauteur du changement que nous espérons souhaiter pour Haïti. C'est bon, dis-nous ça parce que... dans le passé, il y a un mauvais passé. Donc, oui, monsieur, il y a un très mauvais passé de militants. Et c'est pas oublier, c'est le monde qui mélange Mdou, on pile bagarre en même temps. Drogue, pouvoir politique, ils ont mélangé industrie criminelle et puis ils ont fait fortune sans pas la population haïtienne, aucune explication. Et puis maintenant ils se croient leader. Ça c'est faux. Et je crois que tôt ou tard, l'intelligence occidentale, là, américaine, n'a pas développé Haïti et je connais un pile monsieur qui va l'arrêter, qui va mourir. Haïti pendant longtemps, c'est un état narcotrafiquant, un état mafieux. Et je là où nous avons conduit les peuples haïtiens dans le désert, nous mettons les peuples haïtiens en enfer. Et je m'en dis, tant que pour qu'on ait des nobles, c'est qui ça, un leader doué pour Haïti, pour le monde, un leader de la science divine, de la sagesse divine.